voulons te bénir pour ta présence. Lord, we bless you for your presence here. Nous voulons te bénir pour tout le bien que tu fais à ton peuple. Thank you for the wonderful things you do for your people. Nous voulons te bénir pour l'immensité de ton amour. Thank you for the greatness of your love. Nous voulons te bénir pour la beauté de ta parole. And the beauty of your word. Seigneur, ta parole ne passera jamais. Your word will never fail. Toutes choses passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. All things will fade away, but your word shall remain forever. Et Seigneur, nous voulons entendre encore maintenant ta parole. This morning we want to be attentive to your word. Ouvre nos cœurs. So we ask you to open our hearts. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Vous savez, quand Israël a été libéré de l'esclavage de Pharaon, you know, when Israel was set free from slavery in Egypt under Pharaoh, Dieu avait dit à Israël que je vais te faire conduire, je te conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. God had given them this promise, I will lead you to a land which is flowing with milk and honey. Et Dieu a exaucé sa promesse. And God made that promise come true. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'après 40 ans de désert, 40 years of wandering in the desert. Le peuple, certes, est rentré à Canaan. The people entered into Canaan, promised land. Sachant que toute l'ancienne génération n'est pas rentrée. However, the previous generation did not enter it. À part Josué et Caleb. Except for two men, Joshua and Caleb. Et vous savez, quand vous lisez les Écritures, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a attendu vraiment qu'il tourne pendant 40 ans jusqu'à ce que le dernier tombe. And you know what? It's extraordinary. When you read the Scriptures, it's like God was waiting the whole 40 years so that the previous generation would be finished. Et vous savez qu'il est, il est même écrit que quand Dieu a vu que les derniers étaient tombés, là maintenant, il les a fait rentrer. When it even says it in the Bible, when God saw the last of them fall, then it was time to enter. Vous savez, on parle souvent des finances. Vous savez, Dieu a parfois une comptabilité très fine au-delà de ce qu'on peut imaginer. Sometimes we talk about finances, but you know, God has an accounting system that is very unique. Un jour, je vous en parlerai. Vous allez voir à quel point Dieu s'intéresse vraiment aux détails de notre comptabilité. One day I'll teach on that, and you'll see how interested God is in the smallest details. Mais c'est pas le sujet de ce matin. That's not today's subject. Et quand ils sont rentrés à Canaan, ce qui est triste. So when they entered into the promised land, the thing that was really sad, c'est que dans le pays de la promesse, ils ont été captifs. Ils étaient captifs. What happened was when they entered into the promised land, they were taken captive. C'est-à-dire, à un moment donné, ils sont tellement tombés dans la désobéissance. Why? Dans le péché. Ils ont tellement renié Dieu que finalement Dieu a dû libérer des ennemis. Pour les rendre captifs. Because they were disobedient, they failed to obey the Lord, and God had to send the enemies to the people of God. À tel point que Dieu a même dû appeler un païen comme Nebuchadnezzar, mon serviteur, il sera mon instrument qui va venir exercer mon jugement. And centuries later, God spoke of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, as his servant or an instrument of his judgment. Donc ce qui est vraiment triste, c'est la promesse est accomplie, mais le peuple n'a pas su garder la promesse. But here's what's sad to me. God accomplished his promise, but the people were not able to hold on to the promise. Heureusement, Dieu a fait grâce. But God gave grace nonetheless. Dieu a fait grâce. God gave grace. Mais de la captivité, de la déportation, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. But there was a time they were deported into Babylon. They experienced pain and suffering. Le message que Dieu m'a mis à cœur, frères et sœurs, c'est que quand on fait le bilan, quand on fait le constat, on se rend compte que dans la maison de Dieu, quand je dis la maison de Dieu, dans le corps de Christ, dans la vie des enfants de Dieu, il y a beaucoup de douleurs. This is my message today. When we consider the body of Christ as a whole, we see a lot of suffering and pain. Mais il y a également beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. But at the same time, we see a lot of things that are not pleasing to God. Il y a un manque de foi. There's a lack of faith. Il y a parfois un manque de hardiesse, un manque d'intégrité, un manque de consécration. A lack of boldness, a lack of integrity, a lack of consecration. Parfois un manque d'unité. Sometimes lack of unity. Mais dans les douleurs, nous avons également beaucoup de souffrances dans le corps, dans nos âmes. Il y a énormément de souffrances, de douleurs dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ. But the pain is there because there's so much suffering within the body of Christ.
Et pourtant, nous avons été libérés. However, we have been set free. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on lit ce passage, c'est Jésus qui parle. Jésus dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. So coming back to this passage in John 8, 32, it's Jesus who is speaking and he's saying, you shall know the truth and the truth shall set you free. Et quand on lit ce passage et quand on voit parfois les jougs, l'oppression, la dépression, le découragement qui parfois mine le peuple de Dieu, on se dit, mais où est cette victoire? And you wonder what's going on because you read a verse like this, but yet you see discouragement and oppression and depression and suffering among the people of God. What's going on? Bien sûr qu'il y en a qui sont zélés, hardis, qui tiennent ferme, qui persévèrent. Bien sûr que ça existe, mais reconnaissons que c'est pas la majorité. There are those who are faithful and fired up for God, but it's not the majority. Alors on peut se dire, mais Seigneur, tu as dit que nous sommes libres, tu as payé le prix. So some may be asking, Lord, you said we have been set free. You said you paid the price for my freedom. Seigneur, tu as porté mes douleurs, mes souffrances, mes maladies, ces oppressions, ce stress, tout ça tu l'as porté. The word of God says that you carried my sicknesses, my infirmities, my depression, my suffering. Et tu m'as promis la liberté, une vie libre, libre de toutes ces choses. And you promised me freedom from all these things. Mais pourquoi parfois je n'arrive pas à vivre cette pleine liberté? How is it that I'm not always able to fully experience that liberty? Pourquoi je peux encore avoir des pics de colère? Pourquoi je peux encore parfois être soumis à la dépression, à l'oppression? Pourquoi je peux être encore victime du doute, de l'incrédulité, même parfois par rapport à la promesse de Dieu? How is it that I can still see these things in my life, like anger and unbelief and not standing on God's promises? Pourtant, on a dit Dieu est un Dieu d'amour. But we've said repeatedly God is a God of love. Donc Dieu veut notre liberté. So his intention is to have a people who walks in freedom. Dieu veut notre épanouissement. And who blossoms. Dieu veut que notre joie soit complète. A people who has experienced the fullness of joy. Il faut vraiment que nous ayons cette pleine conviction, frères et sœurs. La volonté de Dieu, c'est vraiment que notre joie soit complète. You need to have this conviction, this belief that God wants you to experience the fullness of joy. Sa volonté, c'est vraiment que nous soyons dans la paix, que nous soyons dans la joie et que nous puissions être guéris dans nos corps et dans nos âmes. His will for us is to be in peace and in joy and completely healed. Le Seigneur n'a pas quitté son trône de gloire. Il n'est pas descendu souffrir, mourir à la croix pour que nous soyons encore esclaves. Non. Our Lord Jesus Christ didn't leave his throne of glory, come to earth and suffer and die so that we would remain slaves. Non, le Seigneur n'a pas payé ce prix immense. Il nous a sortis de l'esclavage pour que nous demeurions encore dans certains domaines de notre vie esclaves. Jesus didn't pay such a huge price so that we would remain slaves. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des domaines dans notre vie où il y a encore comme une sorte d'esclavage. This is a reality. In certain areas of our lives, we are still slaves to something. Et qui a besoin d'expérimenter également la liberté dont nous parlons. And it is in these areas that God wants us to walk into freedom. Parce que le contraire de la liberté dont parle le Seigneur, c'est l'esclavage. Because the contrary, the opposite of liberty or freedom is slavery. Mais il y a encore des aspects dans notre vie qui sont comme sous le joug d'un esclavage. However, certain areas of our lives are still under this kind of a yoke. Et qui ont besoin d'être brisés. And that yoke needs to be broken. Dieu veut vraiment que nous soyons dans une joie complète. Because God wants us to experience the fullness of joy. Mais ce qui est étonnant, c'est que la qualité qu'on trouve le plus dans le corps de Christ, c'est pas forcément la joie. But unfortunately, when you look across the body of Christ, you don't always find joy. C'est pas forcément la joie. It's not always joyful. Et pourtant, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. However, the Bible says that the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. La paix et la joie font partie également de notre héritage.
In other words, your peace and joy are part of our inheritance. Donc quelque part, quand on n'expérimente pas également cette joie et cette paix, on est en train de nous voler également une partie de notre héritage. So when you're not experiencing the fullness of joy, the fullness of peace, you realize that part of your inheritance is being stolen. Et on ne doit pas l'accepter parce que une des valeurs, certaines des valeurs de notre royaume, c'est la paix, c'est la joie. Donc quand on n'est pas dans la paix, quand on n'est pas dans la joie, on est en train de nous voler des choses qui nous appartiennent. We cannot accept that because when we know that the kingdom of God consists of peace and joy, we can no longer allow these things to be taken from us. Mais vous savez ce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. That's why Jesus' words are so important. You shall know the truth and the truth shall set you free. Et vous savez, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur ce matin. The Lord put something very specific in my heart this morning. Vous savez, dans Éphésiens 3, Paul a dit quelque chose d'extraordinaire. In Ephesians chapter 3, Paul said something extraordinary. Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on peut s'identifier à Paul parce que Paul n'a pas connu le Seigneur dans la chair. I think it's important for us to understand Paul's heart because he never actually met Jesus in the flesh. Mais Paul dit dans Éphésiens 3 que vous pouvez vous rendre compte quelle intelligence j'ai du mystère de Christ. Paul said this about his own ministry. You can realize the intelligence, the divine intelligence that I have in my ministry. Et en disant de telles choses, Paul nous fait comprendre que même si nous n'avons pas connu Christ dans la chair, comme les Pierre, les Jacques, les gens qui dormaient avec le Seigneur. So, Paul received revelation of great mysteries, which means that even you and I, who have never met Jesus in the flesh, can experience the same thing. Amen. Moi, ça m'encourage énormément parce que ça veut dire que je peux, même sans avoir connu Christ, parce qu'on peut dire, ah oui, mais c'est merveilleux d'avoir connu le Seigneur, certainement. Mais même sans l'avoir connu, je peux avoir une certaine révélation du mystère de Christ. But even though we haven't met Jesus personally like the apostles did, we, like Paul, can experience the mysteries and the revelation of Jesus. Et quelque part, Paul a une révélation qui nous donne les clés de ce que le Seigneur a dit. Paul actually wants to impart to us a revelation that gives us the key. Parce que oui, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. So amen. Jesus has said here, you shall know the truth and the truth shall set you free. Everybody says, amen. And so, et après? But then what? Then what? Après, qu'est-ce qu'on fait? What do you do with that? Ok, on sait qu'en connaissant la vérité, nous serons libres. Okay. Mais ensuite. All right, I can see when I know the truth, I shall be free. Then what? Et Paul nous donne une clé. This is the key Paul gives us. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la révélation du mystère de Christ qu'avait Paul. The exact words are in Ephesians 3, talking about the mystery, the revelation of the mystery. Ça veut dire qu'il y a certaines vérités que l'Esprit a révélé vraiment à Paul pour que nous comprenions mieux certaines choses qui peuvent nous paraître parfois, comme dit Pierre, parfois compliquées. That means that Paul received a revelation by the Spirit of God that can seem a little bit complicated to us. Et vous savez, Paul dit dans 2 Corinthiens 3, this is what Paul says in 2 Corinthians chapter 3, au verset 17 et 18. In verses 17 to 18. Le titre de mon message, c'est « Connaître la liberté en Jésus-Christ ». If you want to give a title to this message, it is simply Knowing the Truth in Jesus Christ. Paul dit, or, écoutez bien, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. 2 Corinthians chapter 3, verses 17 to 18 says this. Now where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And we all, with unveiled faces, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. And this comes from the Lord who is the Spirit. Donc Paul nous dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Le Paul est en train de nous dire, il n'y a pas de liberté sans le Saint-Esprit. So, look at what Paul's saying. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. In other words, he's saying, if you don't have the Spirit, you don't have liberty. Il n'y a pas de liberté sans le Saint-Esprit. There is no liberty, there's no freedom without the Holy Spirit. Je répète, il n'y a pas de liberté sans le Saint-Esprit. Let me say that again. There is no freedom without the Holy Spirit.
Vous savez que quand Jésus est parti, pendant presque 10 jours, il a prié pour que l'Esprit de Dieu descende. You know, when Jesus mounted, went up to heaven, he, for about 10 days, he prayed for the Holy Spirit to come. Quand les 120 priaient dans la chambre haute, Jésus priait devant le Père. As the 120 people were praying in the upper room, Jesus was actually interceding before the Father. Pour que le Père envoie le Saint-Esprit. So that the Father would send the Holy Spirit. Parce que son rôle était essentiel. Because his role in our lives is essential. Donc Paul nous enseigne que cette liberté dont nous parlons, un premier point, première chose, sans l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas l'expérimenter. So, listen to what Paul is saying. Number one point is, without the Spirit of the living God, you cannot fully experience freedom. Parce que Paul dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. C'est pas simplement la liberté où je fais ce que je veux, on me laisse faire ce que je veux. C'est pas de ça dont Paul est question. C'est justement de ces jougs, de ces liens, de ces choses qui pèsent sur nous, de cet esclavage qui ne connaît pas la liberté. When Paul is saying, where the Spirit of the Lord is, there is liberty, that doesn't mean the liberty to do whatever you want. That means liberty from the yokes and the bindings and the oppressions in your life. Et Paul, dans la deuxième partie de cette révélation, il nous explique davantage ce que c'est que maintenant connaître la vérité. And in the second part of the revelation, Paul explains to us what it really means to know the truth. Il dit, nous qui, le visage dévoilé. This is what he says, verse 18, we now with our faces unveiled. Ça veut dire que maintenant, le voile est déchiré, nous avons accès dans la présence glorieuse du Seigneur. There's no longer a veil. We have access to the glorious presence of the Lord our God. Il dit maintenant que notre visage est dévoilé, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Now those of us who have that veil taken away, we behold the beauty of the Lord like in a mirror. Nous sommes transformés, dit Paul. And in doing so, we are transformed. On la même image. Into the same image. De gloire en gloire. From glory to glory. Paul dit, quand je me mets à contempler. When I am beholding the Lord. Comme dans un miroir. As though I'm looking into a mirror. La gloire du Seigneur. As I behold his glory. Je commence à être transformé de gloire en gloire. I'm starting to be changed from glory to glory. En la même image que ce que je contemple. In the very same image of the thing that I am beholding. Par le Saint-Esprit. By the power of the Holy Spirit. Mais pourquoi cette image du miroir? So why does he talk about a mirror? On peut se demander, mais qu'est-ce que l'image du miroir vient faire dans cette affaire? What does a mirror have to do with what he's saying? Mais Paul, où tu vas chercher ça là? What inspired you to write about a mirror? Mais vous savez que dans c'est étonnant, mais il y a des vérités qui sont tellement évidentes, mais parfois qui sont même choquantes. Some truths are very obvious, I would even say shocking. La réalité, c'est que votre visage, mon visage, en fin de compte, je ne sais pas comment il est réellement. You know, the reality is, I don't know what my own face looks like. C'est un truc de fou. Isn't that crazy? Je peux voir mes pieds, je peux voir mes mains. I can see every other part of my body just about. Mais en fin de compte, mon visage, pour voir mon visage, il faut que je regarde un miroir. The only way I can see my face is to look at a mirror. Et ça veut dire que quand je regarde en plus le miroir, ce n'est qu'un reflet de qui je suis réellement. And the mirror reflects who I really am. Donc, ça veut dire que même quelqu'un me dit, mais tu sais, t'as quelque chose sur le front, il faut que j'aille regarder le miroir, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit là? So when my wife says to me, you have something on your forehead, I have to go look in the mirror to make sure I get it clean. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fin de compte, pour voir qui je suis dans la chair, parce que ça, mon visage, c'est la chair, ça va périr un jour, on est d'accord. So this is truth, even to see my own flesh, my face. Je dois me regarder dans un miroir. I have to look into a mirror. Ce que Paul veut nous dire, là où se trouve la révélation de Paul. And here's where the revelation is found. Paul veut nous faire comprendre que dans ton esprit, c'est-à-dire le vrai toi. The real you is actually your spirit man. Parce que le vrai toi, c'est ton esprit. It's your spirit on the inside of you, your innermost being. Mais comment vas-tu savoir à quoi ressemble ton esprit? So how do you know what your innermost being looks like? Parce que je peux regarder mon visage charnel, mais je ne peux pas, physique, mais comment je fais pour voir mon esprit? I know I can look in a mirror to see my physical face, but what do I do to see my inner man, my spirit? Mon esprit, vous savez, a été régénéré. Il est né de nouveau. My spirit has been born again. My spirit has been regenerated. Lui, il est parfait.
and it's perfect. Mon problème, c'est pas avec mon esprit. So my problem is not a problem of my spirit. Mon problème de tous les jours, c'est mon âme, c'est mon système de pensée, c'est ma chair, c'est tout cela. My day-to-day problems don't come from my spirit, but from my soul, my thinking, c'est pas mon my esprit. Mentality, mon esprit my will. Est né de nouveau, c'est pour ça que je suis né de nouveau. I'm born again because my spirit is born again. Enfant de Dieu. And become a child of God. Mais pour voir à quoi ressemble l'esprit. So, how do I see what does my born again spirit actually look like? Qui lui est né est à l'image de Dieu. My spirit recreated in the image of God. Paul nous dit quand je contemple le miroir, je vois l'image de mon esprit, je vois la gloire de Dieu. When I look at the glory of God, beholding like in a mirror my true image, my real spirit. Ce miroir, c'est la parole de Dieu. That mirror, brothers and sisters, is the word of God. Ce miroir, c'est la vérité dont parlait Jésus dans Jean 8. That mirror is the truth that Jesus was speaking about in John 8. Quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En fait, Paul est en train de nous décortiquer ce que Jésus a dit. Paul is explaining what Jesus said in that verse. Et c'est en ce sens que Paul dit avec une pleine assurance, j'ai une révélation du mystère de Christ. And that's why Paul could say, I had received a revelation of Christ. Parce que vous ne pouvez pas savoir une telle chose sans avoir une révélation du mystère de Christ. You can't really see things without the revelation of Christ. Donc Paul nous dit, si tu veux expérimenter maintenant la liberté. So, it's like Paul is saying, if you really want to experience freedom, celle qui t'est destinée. This freedom that you have been destined to receive. Pas dans ton esprit, parce que ça c'est réglé. It's in your spirit that you can see it. Dans l'esprit, c'est déjà réglé. Everything in your spirit is already taken care of. Mais tout ce qui touche à ton système de pensée. But the very thing that affects your mentality, the way you think. Tout ce qui se trouve dans ton caractère, tout ce qui est mauvais dans ton caractère. Or the things in your character, your weaknesses. Tout ce qui est charnel. Everything that is from the flesh. Tout ce qui provoque en moi ou la dépression, l'oppression, là où je lâche facilement, l'incrédulité. Everything that creates in me depression or oppression or unbelief. Toutes ces choses qui n'ont pas encore été touchées par Those la main de Dieu. Things have not yet been transformed by the power of God's hand. Eh bien, le Seigneur et le complément de Paul dit, nous tous maintenant que nous avons les visages dévoilés. Nous sommes nés de nouveau, nous pouvons entrer dans la gloire de Dieu. Here's the key. God, Paul is saying, if you behold that glory quand of your new creation. Quand nous contemplons maintenant cette gloire qui est dans sa parole. That glory in his word. Nous sommes transformés. We are transformed. C'est quand nous contemplons la vérité de cette parole. When we behold the truth of his word. Que nous sommes transformés. That is when we're transformed. On a la même image que ce que nous voyons. Very same image of what we see. C'est-à-dire l'image de notre esprit dans la perfection. We see the image of our spirit that has been perfected. C'est-à-dire que dans la parole, je vois quel est mon esprit, c'est-à-dire que parfait, né d'en haut, plus que vainqueur, victorieux. We know that the spirit man inside of us is born again, regenerated, and victorious. Je suis transformé de gloire en gloire. And that is how we're transformed from en glory la to même glory. Image. In the same image. Mais le Seigneur dit de gloire en gloire. That's why he says from glory to glory. Ça veut dire que y a un aspect de mon être qui sera touché. That means there's an aspect of my being that plus je be vais avancer touched. Et peut-être mon système de pensée mondain va commencer à être chamboulé. And the way I think is going to be shaken. Des jougs vont commencer à être brisés. And the yokes on my life will start to break. Vous savez, je suis pour la prière de délivrance, je suis pour prier pour qu'il y ait une rencontre personnelle entre Dieu et la personne. I'm totally Amen. In favor of praying for people, laying hands on people so that they can have a personal encounter with Jesus. Bien sûr. Of course. Mais là, je suis en train de vous parler But I'm talking about something else today. D'une course qui est longue jusqu'à l'arrivée. I'm talking about running a race that is like a marathon. It's long. Je suis en train de vous parler comment tenir ferme et marcher dans la victoire. I am sharing with you how to stand firm and how to walk in victory. Quand on est engagé dans une course qui est longue. When you're in that long race. Et qui fait qu'un toucher surnaturel, c'est merveilleux, mais ne suffira pas pour achever la course. You know, when you have a supernatural touch of God, it's wonderful, but it's not enough. Si on ne rentre pas dans une discipline personnelle qui n'a pas besoin d'une ressource extérieure. The other requirement is your personal
personal discipline that you resource your. Et nous devons apprendre, peuple de Dieu, à ne plus vivre constamment sous perfusion. So this is what I'm saying, people of God, we can no longer live with, you know, the thing you inject with a bag. I can't remember how to say it in English, but to get an infusion, I think it's not that. Chaque fois que je ne vais pas bien, j'ai besoin d'être perfusé par un message sur Internet. So in other words, when I'm not feeling great, what do? I go listen to a message on Internet. Chaque fois que je ne vais pas bien, j'ai besoin d'être perfusé par l'exhortation d'un frère ou d'une sœur. Or I go and ask somebody to exhort me, maybe a brother or a sister. Ouh là, chaque fois que je ne vais pas bien, ma perfusion, là, elle est en train de descendre. Quelqu'un. Where can I get some? J'ai besoin de ma perfus là. What do I need to get poked into me? On a besoin de temps en temps, bien sûr, d'un toucher surnaturel. We need those supernatural encounters. Mes frères et sœurs, pour expérimenter la liberté dont parle le Seigneur. But what I'm talking about today is that freedom that Jesus speaks of. Il faut maintenant entrer dans une autre dimension. The only way to experience that is to enter now into a totally different dimension. Il faut contempler ce miroir. It's talking about beholding the mirror. Amen. Amen. Et c'est là la véritable transformation et la liberté. Amen. That's where freedom happens, people. That's where transformation happens. Est-ce qu'on peut se lever et juste rendre grâce à Dieu? Amen. Let's just stand up together and thank the Lord for that simple but powerful truth. That is the secret. C'est le secret pour connaître la liberté en Jésus-Christ. To really know truth in Jesus Christ. Nous tous qui le visage dévoilé contemplons. We are all beholding his glory. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. As in a mirror, our faces totally unveiled. Nous sommes transformés. We are transformed. En la même image. Into the same image. Par l'Esprit du Seigneur. By the Spirit of Amen. The living God. Amen. Hallelujah. On peut lever les mains. Let's raise our hands in his presence. Seigneur, nous te bénissons. Lord, we bless you. Nous te bénissons pour ta fidélité. We bless you for your faithfulness. Nous te bénissons, Seigneur, car tu nous as sortis de l'esclavage. You brought us out of slavery. Nous te bénissons car ta volonté c'est que nous vivions pleinement la liberté. And you brought us into freedom so that we would fully experience freedom. Et ta volonté c'est que les chaînes soient brisées. It is your will to break the chains. Parce que tu as déjà porté toutes ces jougs à la croix. You have already borne upon yourself every yoke. Et tu nous as libérés. And you set us free. Seigneur, aujourd'hui, je prie pour cette fraîche révélation. So today I pray for a fresh revelation. Qu'elle devienne un réma dans le cœur de tes enfants. Let this word become réma in the heart of every. Un réma dans le peuple de chacun. One of your children in Jesus. En présentiel et connecté. Present in this room and connected by internet. Afin de vivre véritablement la liberté en Jésus-Christ. So that we can fully experience the liberty that we have in Jesus Christ. Et d'être victorieux. And walk in victory. Au milieu de tous les défis. Even in the midst of challenges. Pour l'accomplissement de l'avancement de ton royaume. For the accomplishing of the fullness of your kingdom here on earth. Et que ton nom soit glorifié. So that your name would be glorified. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen and amen. Est-ce Thank you, Lord. Seigneur?